Bonjour mesdames et messieurs et les abonnés, c'est Monsieur Loki. Et là, vous êtes en train de regarder la 9e partie du 8e épisode. Donc voilà. Et merde, mon stylo il veut plus marcher. Pourtant la cartouche elle est à bloc. Mais bref, donc comme vous le voyez, chers abonnés, chers téléspectateurs, nous sommes maintenant trois dans une session sur invitation. Donc il y a Toto, moi j'ai 19 et Dragonfire. Et Only You vient juste de quitter la partie malheureusement. C'est con parce que maintenant on est trois, on n'est plus quatre. Comme tout à l'heure, donc voilà. C'est dommage. C'est dommage, mais bref. Donc voilà. Comme vous le voyez, je suis dans la chambre de la fille à Michael qui s'appelle Tracy. Voilà. Je suis dans sa chambre, avec Toto. Alors, le page... Voilà. Donc, je tiens à vous dire un truc, je pense que cette 9e partie sera la dernière partie de ce 8e épisode, et après, le 8e épisode sera terminé. Et ensuite, on se retrouvera pour le 9e épisode. Je crois, c'est pas sûr. Soit c'est la 9e partie, soit c'est la 10e. Un des deux. Donc voilà. Je préfère vous prévenir. Donc voilà. Soit c'est cette 9e partie qui est la dernière partie de cet épisode, soit c'est la 10e. Donc voilà. Je sais pas encore. Donc voilà. Je tenais à vous le préciser. Donc voilà. Donc tout de suite, je mène mon micro et continuons ce 8e épisode avec la 9e partie. Donc voilà. Non. Wesh. Ah merde, tu m'avais envoyé un message, Fire. Sortez. T'inquiète, on va sortir 2 secondes. J'arrive, Fire. Merde. Ah ouais, pour sortir, t'es obligé de te suicider. Oh putain, oh ton personnage il est tombé, il a fait un truc bizarre. Oh, il y a une grosse tache de sang sur la moquette, sur le gros tapis, juste en bas du lit. T'as ta grosse tache de sang. Yeah, motherfucker! Bon, c'est parti, je me suicide. Bon, bah, je ferme la play. Ciao! Ah, merde! Non, Fire! Non, ne pars pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, c'est chiant. Non, Fire, il m'a envoyé un message, il m'a dit que là, il va éteindre la plaie, qu'il va se tailler, malheureusement. C'est chiant. Ah oui, Fire, si tu m'entends avant de quitter la partie, comme là, tu te tailles, donc si tu te tailles, donc si on jouera, on pourra jouer que la prochaine fois, le week-end prochain, parce qu'après, le reste de la semaine, je ne pourrai plus jouer à la plaie, comme après, on est à l'école. Donc voilà, si tu veux me revoir, t'inquiète que là, ce soir, je vais poster une nouvelle vidéo. C'est la 5e partie du 4e épisode, donc voilà. Là, elle est en train d'être traitée sur l'ordi, là. Et ce soir, je vais la mettre en ligne, donc voilà. Au moins, tu le sais. Je voulais que tu le saches.
Mais non, il est où? Ils ont détruit ma moto. Hein. Oh, il a le bulldozer! Ouais. Ah, franchement, Fire, moi je te le dis, t'as du courage de conduire le bulldozer jusqu'au bout de la map de Paleto Bay jusqu'à la ville de Los Santos, du nord au sud. T'as traversé toute la map C'est là que... avec le bulldozer, franchement, il faut le faire. Hein. Moi, je l'aurais jamais fait, moi. Ah, moi, j'aurais pas eu la patience. Ciao! Bah, dommage. Ciao, Fire, et bonne rentrée aussi, Fire. Et ouais, il a quitté. Hein. Ah, c'est pour ça, Toto, si tu veux inviter des amis à toi, n'hésite pas. Ah non, ça c'est le trottoir qui fait ça. En train de me suivre par derrière. Ah, c'est énorme. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ah merde, je t'entends plus, faudrait que tu mettes ton micro. Hein. Pam, je te renverse. Elle fait des tonneaux, la voiture, elle fait des tonneaux! Oh putain, elle est morte, hein. Le PNJ, la PNJ est morte. Hein. Ah putain, c'est galère la vue à la première personne. Oh, c'est excellent. Oh putain, dis pas que je suis bloqué. Hein. Oh putain, j'ai les flics. Hein. Allez les PNJ, venez. Venez voir Papa Tractopelle. Oh putain, merde, non, 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 je vais pas être bloqué. Hein. Oh putain, elle est en train de prendre feu. Mais tiens, on va la voir exploser. Hein? T'as vu, j'ai foutu le bordel. Bon, elle prend feu, mais elle explose pas. C'est quand qu'elle explose, cette putain de bagnole? Non, mais elle est en train de prendre feu. Hein. Comment tu veux la prendre? Elle est en train de prendre feu et elle est toute pétée. À part si tu es kamikaze et que tu as envie de mourir explosé. Elle prend pas feu dans mon
Si, si, si. Attends, attends, je te la mets à l'endroit. Là, c'est bon, vas-y. Tu peux? Ouais. Wouh! Quoi, les flics? Quoi? Oh putain, bande d'enculés. Bande de grosses salopes. Où es-tu? Que fais-tu? Que veux-tu? Où vas-tu? Allô Toto, est-ce que tu m'entends? Parce que là je t'entends plus là. Est-ce que là peut-être que je vais pas mourir? 5, 4, 3, 2, 1. Oh yeah. En mode X-Men Origin Wolverine, quand Logan il explose l'hélico et que lui, devant l'hélico, il marche en mode gros cliché des films américains avec l'explosion derrière et lui marche en mode ouais, je suis le meilleur. Donc j'ai voulu faire un peu pareil avec cette explosion. En même temps, il explose, le bulldozer, et moi je marche tranquille en mode Wolverine. Oh putain. Donc là je vais aller modifier ma voiture. Invertero coquette Blackfin. Ah non, c'est Blackfin. Ok, je ne savais pas. Mais non, qu'est-ce que tu dis, j'ai rien déglingué. Elle se bousculait. Ah, j'ai niqué ta voiture. Ouais, mais en fait c'est une voiture de PNJ. Ah. Oh, ok. Ah, bah si j'ai défoncé ta voiture, bah désolé. Donc voilà, mesdames et messieurs et les abonnés, c'est Monsieur Loki. Et là, c'est la fin de cette 9e partie de ce 8e épisode. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la 10e partie du 8e épisode. Et je vous laisse avec ces... Désolé. Donc... Je vous laisse avec ces dernières images où je suis en train de customiser ma coquette Blackfin et non Backfin comme je le pensais avant. Et voilà, donc à toutes les jeunes.